Bien, étant donné que la structure filière, on peut parler de différents maillons qui existent. Le filière là, on va parler de rentabilité. Mais rentabilité, c'est pour qui maillon? Dans la production, il y a des droits par rentable. Et puis voilà, la commercialisation est rentable. Donc, il y a l'autre filière là, c'est qui maillon de filière qui n'a pas rentable. Ça veut dire à chaque fois qu'on va couper une filière là, est-ce qu'on part à supposer considérer maillon avec tout environnement. Non, c'est même moi sur maillon. Donc, parce que, donc si vous pouvez dans même idée de l'air, les n'a pas les hypothèses là encore. Or, je pense que filière, les bons aspects sociaux là-dedans, les bons aspects économiques, les bons aspects financiers, les bons aspects. Et création d'emplois là-dedans. Si vous êtes sur le même raisonnement à gauche à l'école, à côté de l'assimilé, les filières sont système lié. Et là, la compétition, parce que même des gens comme vous outils. Donc, sinon, qu'à ça, son filière n'est pas qu'à créer un emploi. Est-ce que l'hypothèse toujours? Est-ce que ce n'est pas le fait que le rentable qui fait porte? Est-ce comment nous carouer tous les éléments ça en termes de filière, avec tous les paramètres qui sont considérés déjà, qui fait qu'on garde mais il faut considérer l'aspect micro au niveau de chaque acteur dans ce segment, ça va considérer la chaîne là. Et dans le niveau global, niveau macro, donc comment vous expliquez tout ça au niveau? Allô? Première question maintenant, c'est après des identités différentes qui débordent, mais après dire de façon concrète, pourquoi ne pas essayer qui, du point de vue économique, qui apporte fidèle sa reporter dans l'économie haïtienne. Et puis ça, c'est une question fondamentale qui t'a poussé et puis le monde a investi dans le fidèle. Ok, merci. Bon, on est un peu de temps plus tard, mais cependant, pour nous, il faut qu'on passe dans la valeur. Je crois que c'est peut-être déjà le temps. On n'est pas pour qu'on réponde à la question ça, même pas pour avoir plutôt adressé à tout parler. Dans le sens que on a parlé de filière, évidemment, de tout aussi de maillon, on va pas rentrer dans la question concernant. Mais pour nous, au niveau du ministère de l'Agriculture, nous qui avons tendance comme moi, on a parlé de filière, c'est nous-mêmes qui sommes capables d'arriver sur le problème qui vient de filière. Donc, nous avons aidé nous à comprendre à quel niveau que nous-mêmes nous devons intervenir, comment pour nous articuler l'intervention par rapport à notre acteur, de façon à ce que définitivement le ministère de la Culture soit capable de mieux situer nos productions. Merci. Le ministère de la Culture, avec le producteur, on ne pas chercher que nous allons faire. Présentation et bien là, on va permettre de comprendre sa filière là et montrer que la filière là, je ne pas qu'elle est dépendante, non seulement de l'espace. Parce que ça dépend de qui zone on va faire aujourd'hui, ça dépend de qui leur appel et ça dépend de qui économie mondiale ou bien régionale qui va faire passer aujourd'hui. Donc, mais pour moi, c'est un élément intéressant. Dans le sens que la filière là, pour moi, est intéressant parce que ni dépend du temps, il dépend de l'espace, ni pour lui va permettre d'agir. Or, moi-même, en tant qu'entrepreneur, je besoin agir, je besoin faire un choix. Mais actuellement, ma compagnie est des vendeurs, mais pour une vendeur, nous sommes misères. Donc, est-ce que vendeur, nous sommes filières ou pas filières? Qui va ma bonne vendeur maintenant? Est-ce que c'est un patron qui est un chicaver ou bien c'est un cahier? Donc, dépendant de quoi qu'il y a, vendeur nous parle une filière française ou bien, il y a ce problème qui est pour nous. Et nous n'avons pas aucun exemple. Mais mieux, non? Justement. Donc, nous marchons, nous faisons comprendre, nous faisons plus qu'on va comprendre. Généralement, il faut essayer de comprendre. Donc, ce qui est fort, c'est que dépendant de qui, niveau social, que vous voulez toucher avec. Donc, pour moi, le concept qui est là, il est vraiment pas intéressant, mais ça qui est intéressant pour moi. Ministère de l'Agriculture, en tant que outil de développement, en tant qu'agence qui a aidé les producteurs, à quel niveau il a intervenu au niveau de production qui va permettre que la production soit importante. Donc, et c'est là, nous pensons que la question entre les bases, c'est que trois questions de poser, c'est
c'est le nom de la vérité. Nous disons que nous avons un ministère sur la paix de l'équilibre. Parce que lui-même, c'est un environnement pour créer le producteur. Il n'y a pas de moyens, ni techniques, ni humains, ni financiers pour intervenir au niveau de l'équilibre. On nous sait. Et c'est ça que nous avons un peu intéressé là. C'est analyse chef de valeur. À quel moment que filière ça va dégager aux valeurs qui va être intéressant pour le pays, qui va permettre que l'État dit l'arme a été venue pour que nous soyons capables de jouer une meilleure économie, une meilleure au niveau de production. Moi, je me suis dit avec vous, avant tout, qui va nous mettre des produits de niche? Elle dit, comment nous considérer? Est-ce que nous considérons comme un produit d'importeur ou pas? Parce que c'est des produits de niche qui ne doivent pas créer un plus d'emploi, mais qui créent un plus de revenus et qui permettent le producteur à construire. Parce que quand nous positionnons-nous en tant qu'agronome qui vont nous, est-ce que nous là pour que le producteur vive plus riche ou bien pour les pauvres? Ou bien est-ce que nous là tout simplement pour nous dire bon, ok, on a fait un bel accouvage? Parce que nous avons un petit problème terre. Et en Haïti, c'est que une fois que la vie tombe, le ministère de l'Agriculture dit là-bas, on fait. Là-bas, je dis. Pendant que oublié que bien au monde qui a besoin de l'engrais, au monde qui a besoin d'outils, qui est capable de permettre filière ça, d'Akati est viable et permettre de répondre à des besoins à plus long terme. Donc c'est ça. Bien. On dit comme il faut que toujours dit qu'on a fait là pour faire une obligation. Bon, comme nous, par rapport à l'ensemble de la règle de l'État, il n'a pas prétendu répondre à la question, il n'a pas répondu à toute question. Je pense que bon, comme ça s'agit, l'idée que l'État est un professionnel, on a peut-être une idée sur la table, on a peut-être déclaré, on a peut-être dit non, mais on a une idée que l'État, on va peut-être réagir à eux. Il faut rentrer dans le débat avec des éléments qui sont capables de nous aller plus loin dans la discussion de compréhension problématique. Même si quand même répondre à la question au côté de l'équipe. Nous avons parlé de Maillon, et puis de filière globalement, ou un certain niveau pour intervenir. Nous avons parlé de Bantou, c'est-à-dire est-ce que la banque a peut-être le projet en Maillon ou mieux pour mettre toute filière à net. Moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que les rares fois où, et proprement, ils ont parlé de filière globale, ils n'ont pas ouvert une filière dans la structure globale, dans l'ensemble, ils ont ouvert une production agricole. Ça, c'est évoqué tout à l'heure, que l'ingénieur a voulu faire une filière globale, il n'a pas la poule pour l'autre professionnel. Il y a aussi une filière qui est production seulement, et ils n'ont pas ouvert l'autre composante. Donc, la base de la base de la base, même si on va parler des clients, si le régime est construit maintenant, on va faire parce que nous avons un groupe d'acteurs. Si le même niveau que le niveau ça effectivement là, des bons à faire, que plusieurs niveaux dans chaque vidéo,
la filière rouge, ou bien montrer que tu es plusieurs niveaux, le ministère a pensé un rôle d'une part prioriser ce qui est la travail, deuxièmement ce qui est la travail, qui a peur, la choisir, ça a créé une situation positive en faveur. Le ministère a subventionné le plus, par exemple, ils font choix. Ils font choix. Ils font le choix d'appuyer les producteurs au détriment des producteurs de services, par exemple. C'est son choix. Et faut qu'il y ait une voie de l'eau. Si on choisit de nous bloquer, c'est les producteurs de services qui nous permettent de gagner matériaux, gagner des matériaux, pour mettre à disposition producteurs, c'est leur choix. De philosophie, de manière de voir. On comprend. Donc, vous êtes convaincu que nos quatre ministères, qui sont là pour travailler sur le capteur, par exemple, il y a un, c'est là qu'on a le pouvoir de transport de l'eau, des camions neufs. Bah ouais, par exemple, on comprend. Mais la choix de fils, qui est sous qui par l'eau, vous voulez frapper, là, on va mettre un partage ça, on va faire ça, on va faire des frais. Merci. Et avant de poser deux autres questions assez simples, on vous rappelle que pour déterminer les filières, ce n'est pas de la responsabilité des techniciens, il faut qu'on trouve des informations pour déterminer qui ça est considéré comme des filières porteuses ou pas, mais c'est une décision et évidente.
ministre et peut-être jusqu'à ministre. Donc, il n'y a pas de respect du peuple de nous. Le ministère là, il travaille vraiment, mais finalement, c'est une personnalité politique. Quoi, et question, comme on a vu, soit c'est assez simple. Et nous préparer de filières agroalimentaires. C'est un homme pour être assez réducteur dans la mesure où l'agriculture là n'est pas produite seule, donc on va manger pour tout le travail. Tout. Donc, et il faut que nous ayons pu élargir maintenant, on va connaître si vous voulez une filière de transformation agricole. On ne va pas besoin de trop élaborer, on va pour emploi pour faire chacun. Et j'ai entendu parler de bois d'œuvre. C'est des filières d'eau que peut-être on peut développer. Et où tu crois que c'est filière, mais c'est un secteur qu'on peut développer qui a une grande importance en termes d'apport économique pour lui. Ça, c'est la première question. Et deuxième question, c'est les critères pour définir les filières porteuses. Moi, je ne peux pas aborder l'aspect réglementation, l'aspect légal là-dedans. Qui contribue légal pour gagner, qui opportunité pour gagner, pour gagner. Et pas de transfert et en considération, d'après moi. Et troisième bagage, c'est une filière. Il faut que toute activité autonome a augmenté la production agricole là. Elle dit augmenter la production agricole là, améliorer la disponibilité gagnée en termes de production agricole. Et voilà, dit augmenter seulement, tu as dit améliorer parce que tu as bien suffisamment de production perdue, mais sous améliorer. Transformer et arriver bon c'était pas pour les interventions à vous apporter à bon mais il y a là plus il va toujours ils ont même acteur pas toujours une capacité pour couper tout chez nous en même et c'est comment nous capables de travailler construire des ponts entre différents agents pour réaliser le résultat capturé des filières porteuses et même pour capturer l'équilibre entre différents agents qui est la priorité de la vie. Mais ok, on l'a dit. Choix. Et on choix, toujours qu'il y ait
qu'il y a un peu de Il dit côté subjectif. On a dit que le dire, pour qui ça peut dire qu'il y a une filière de l'opposé. Au lieu de l'autre, ma sœur, je te dis, pourquoi pas la pêcher? Pourquoi pas la pêcher? Ça engraine notre politique. C'est clair. C'est ça l'état. Donc, et ça a changé avec le temps. Donc, pas oublier ça. Donc, en filière, c'est pas bon, on va aller chercher construit en tant que tel, on va être construit. Nous avons que filière la guerre, tout le monde a dit la journée, nous filons la mort. Mais, l'objectif là, c'est pas pour les filières, pour les L'objectif là, c'est pour les filières, pour avoir une décision pour mener cette orientation là, il va y avoir une sens de développement. Enfin, à profiter de répondre à une autre question. Moi, je connais, il parlé de production agricole versus disponibilité alimentaire. Pour moi, c'est la même chose. Pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire, lorsqu'on recherche, non, mais il ne pas loin, l'augmentation de la production agricole, on recherche en même temps l'augmentation de disponibilité alimentaire. On n'a pas fait beaucoup de choses dans les régions. Maintenant, il se m'a parlé de autosuffisance, c'est pas les arrêts, il se m'a parlé de sécurité alimentaire. Plutôt de deux Oui. Parce que là, nous avons la sécurité alimentaire, moi je l'ai assorti. La voie est Glasgow, Miami, Vietnam, qui participe à la c'est la production locale. Mais, moi-même, quand vous parlez de augmentation. Vous n'avez pas dit, combien vous suffisamment de production de ça, on devait être d'accord. Et on va nous préparer de affaires segmentation, identification segmentation dans la filière. Et puis le dernier multiplicateur que les interventions sont capables de gagner, tout ça tout d'accord. Nous, pratiquement, nous disons même bagaille, nous utilisons tout simplement des mots différents. Mais pourtant, dans ma tête, nous disons même bagaille. Alors ça, peut-être dit seulement pour aller plus loin, c'est que nous parlons déjà de Mayoyo, qui nous a dit tout à l'heure que l'intervention est carrément. Viser avec une signature positive des maillons particuliers, mais les choses qui sont dans la journée, nous allons faire même à l'intérieur des maillons. C'est-à-dire les producteurs, par exemple, nous avons des maillons producteurs là, et puis nous faisons une typologie, et nous disons c'est tel type de producteur que nous avons soutenu, nous avons soutenu de telle façon. Vous comprenez mal la technologie, les producteurs, les producteurs, mais nous devons choisir que c'est tel type de producteur que nous avons soutenu dans le cadre de mon programme. Bon, nous avons une réglementation qui est posée là, Serge Bon, qui a passé sous lui. Alors, Serge Bon a été de filière agroalimentaire, vous savez, de filière agroalimentaire, alors qu'il y a plusieurs types de produits. Oui, c'est justement, d'accord. Par exemple, nous avons une filière qui a un produit de 1900 euros, une produit de l'univers, d'accord, et une produit aussi le son, qui sont produits qui recherchent pour une agroalimentation animale. Nous avons les livres, son produit que nous enchaînons de tout. Nous ne pouvons pas parler de lui. Moi, filière canine, par exemple. Nous produisons sirop, nous produisons labadou, nous produisons rhum, clairé et bleu, mais nous produisons éthanol tout, à partir de la canne à sucre. Donc, nous enchaînons de tout. Pourquoi nous produisons non alimentaire, mais nous enchaînons de tout. C'est pour ça qu'il est important pour nous identifier filière là et pour nous faire filière là porter nos produits principaux. Donc, là, c'est bon. Merci beaucoup. Nous allons finir avant d'allonger la première. Nous avons un concept sérieux à partir de toute fiction faite là, de synthétiser la tête. Avantage comparatif. Avantage compétitif. Haïti, avec café, cacao, presque sur nous avantage comparatif. Nous avons un salon où nous avons un espoir jusqu'à présent, café haïtien, zéro connu, cacao haïtien, extrêmement intéressant. Et nous sommes capables d'avoir l'autre exemple de l'agriculture parce qu'on n'a pas des filières pour parler des visibles et on ne peut pas arrêter de penser questionnement à l'agriculture. Les filières, nous avons une technologie, il y a des trucs comme tout ça. On ne peut pas tout ça. Aïti, quoi, on a commencé par rapport à l'agriculture dominicaine, nous avons tout ça. La citadelle a fait quoi. Dominique n'est pas une citadelle. Maintenant, qui est-ce qui va être plus cool? Donc, Margot est citadelle et autre chose, vous avez peut-être ça dans la comparaison de touristes que vous avez dit. Ou pas faire 1 million de touristes, de l'unité dépasser 5 millions. Donc, c'est pour vous dire que, après une guerre là, une dynamique et politique,
Et là, on parle de boulot de développement. C'est quoi regarder la filière pour la qui boulot de développement? Comment nous pouvons battre le monde de l'économie et comment nous pouvons faire ça avec des avantages compétitifs? Donc, ce n'est pas le fait que filière pour la panne, on dit à pire en filière, donc c'est comment avoir les informations intéressantes, les chiffres, les données, et de faire exercice. Tout qui vient bon, mais c'est ce que vous pouvez que pour la vie. Parce qu'en économie, les ressources sont rares et limitées, et besoin. Donc les avantages comparatifs général, nous jouons nos héritiers de l'histoire, parce que c'est naturel. Tout ne pas faire qu'à faire mal, tout est gratuit. Mais les avantages compétitifs pour les pays. C'est ça, c'est un tout concept de productivité et de compétitivité. À part de venir, il y a un petit peu de dépasser nous de l'argent. Il faut occuper le diable, mais le monde n'est pas à faire. Mais, l'exploiter pour nous sur les marchés, pour pas que nous. Donc, c'est là que l'idée va se faire un avantage compétitif là, pour capable de faire l'avantage compétitif. Deuxième concept d'arrivée, discuter avec le type d'arrivée. La valeur ajoutée. Comment vous mettez des valeurs sur chaque maillot de chaîne? Maintenant, comment c'est pas ça, c'est l'existé. Nous disons que nous venons comme ça. Rappelez-vous, l'économie a mis dans le noir avec les spéculateurs. Et on dit, bah, rien à dire que tu as acheté en côté. Tu vas avoir une formation quelque part. Après, nous, 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 tu as sué. Ça, c'est l'économie. On t'a poussé plus. C'est là, c'est l'économie. Parce que nous, qui va faire, il faut se servir. Pour la prix et manger, c'est là qu'on va. Mais si, vous allez bien dire, si vous n'êtes pas capable d'être en équipe sur le vidéo, vous parlez de concurrence, vous parlez de dépendance, mais pour le terme utilisé nous-mêmes, en management, vous avez la compétition. Et l'enfilière, c'est ça qu'on fait. La pré-compétition et la prouver. Quand on est en équipe football, il y a 11 minutes de terrain, 10 minutes de football, et que les gens qui ont supporté l'équipe. Donc, en même temps, il y a un peu de Qatar, il y a un peu de produits, qu'on le compte, il est obligé de tenir ça. Donc, si nous parlons le concept de valeur partage, et que le plus de monde va gagner, il y a tout le monde qui va. Mais si nous quittons en amont, nous quittons au départ, il n'y a pas aucun bénéfice à celui qui perd le plus. Et lorsqu'on a un produit avant, on met in, on met out, tout on a perdu du mal. Quel cas, ça c'est le gars diable, c'est que le gars d'après comme là, c'est que l'attaque fait comme là. Ça va intéresser. Et juste pas le café fait. Après, on a mouillé, on a un gars, on a pété un café, café va. Donc, pour expliquer l'équipe, elle va nous entendre le diable. Pas seulement la complémentarité, on va nous soulever. C'est pourquoi il nous aimait l'autre. C'est parce qu'on va perdre. Si à part qu'on va être 3 goals, il est possible 4 goals, oui, vous faites 3 goals dans le match, pour éliminer. Parce que le match, il va pas faire 3 goals, on va faire 4 goals. Donc l'avancement est tout aussi important que le défenseur. Donc lorsqu'on parle de filière, c'est pour équipe. Tout le monde a les mêmes objectifs pour nous, pour nous aider le match. Trois souvent, mon gars n'a pas la tête et vous voulez faire comme la commune. Jusqu'à ce que vous avez bien fini encore et tout le monde perd la même chose. Et pour répondre à ce que l'État, cette présentation est extrêmement intéressante. Elle a besoin de parler de Félicité, je vais me concentrer plus loin. Voilà les différents types d'entreprises de micro-producteurs en passant par les petites, les moyennes, jusqu'à locomotive là. Ça veut dire les deux. Il faut commencer à changer l'approche pour nous. Il faut dire comment on a donné l'avocat. Parce que si on parle de donner l'avocat, il y a pour moi en bas. Parce que filière à une part présent. Parce que l'État a des choix. Et c'est ça qu'on a fait le débat. Donc, c'est que nous allons positionner le ministère par rapport à la filière. Et pas seulement le ministère, ONG, qui connaît bien la filière, et pas de classe de la filière. Nous avons un financement là, un financement par la filière. Et c'est là que je vais bien financer, je vais mettre des structures là, sur mon système de rôle de la nouvelle. Je vais voir toutes les filières là, quels sont les acteurs qui approchent les rêves,
mais qui est des acteurs pas soutenir, qui tout aussi important pour lui. C'est un coup, Cristiano, il va continuer à voir avec Vivian, mais non, mais qui est-ce que Cristiano? C'est dans mes masters, dans mes médecins. Les siens vont avoir soutenir un bon ami. Mais ce ne sont pas des bons docteurs. Voilà, c'est ce que vous rappelez. Donc parfois, si le ministère, ou bien ONG, ou bien mon finance, vous voulez entrer d'une jouée d'eau, ou le pas bon jouer, c'est soutien, c'est support que vous présentez. Donc lorsque vous voulez nous aider dans tout, soit vous avez aidé, ou avant si empêcher que vous placez l'autre, vous êtes capable de créer des problèmes de système de moyens. Donc quel est le rôle du ministère? Service public là, de la profilière. Qui positionnement stratégique pour gagner? Parce qu'après tout, on va être motivé. S'il y a capable porteuse, mais porteuse, genre, comme je dis de manière brutale là, parce que elle est là, ok, ministre, nous avons un petit frère, nous avons un seul, nous avons une belle même, qui vient intégrer la fille ça. Parce que pour moi, les techniciens vont faire parler les chiffres. Parce que je pense qu'au bien fort là, que nous ne pouvons pas passer à travers le budget, à travers le Parlement, pour que nous devons être démocratiques. Donc, c'est toute complexité que ça a créé dans la République là, qui fait obligé à nous aller la chaîne de valeur, et nous avons le troisième encore une cluster. Parce que, quand on dit que la carte a aussi 7 qui vont venir, c'est juste d'aller à Bonne-Oublié, c'est à Bonne-Oublié, ça c'est bien de s'ouvrir, parce que, je l'ai dit là au départ, le problème c'est là, nous réfléchissons autrement. Nous avons des ingénieurs agronomes. Et en plus de nous-mêmes, vous êtes des gestionnaires, ingénieurs agronomes. Et en tant que pauvre, les petits postes, directeur ou ministre, oubliez l'agronomie, c'est gestionnaire, c'est politicien, mais un technicien capable lui-même d'amener les tâches à la fin. Et ma fille, tout simplement, ça se trouve qu'on va le faire samedi matin, parce que toute la relation type, on va nous gérer. Tout le monde n'a pas d'assemblée à tout le monde, il n'y a pas d'assemblée à tout le monde, il n'y a pas d'assemblée à tout le monde. Et pourquoi le budget doit sortir en moins de 2 ans? Et par contre, si nous suivions de 51,5 milliards de dollars, vous voyez ça, MCJM1, Maïda, mais bien mal, mon éversion, le budget de l'Église. Regardez comment il y a là-dedans, parce qu'il faut qu'on ait un petit secteur économique. De gagner 9,9 milliards d'euros. WR, la LO, 126,4 milliards d'euros. Donc, tu as gagné 17 milliards. Il y a des combien pour gagner la LO? Pourquoi tu as gagné? Il faut dire, ça ne va pas qu'à pas qu'on est, on chiffre. Qui s'est présenté dans le pays, qui s'est dans le budget, pas comme une centaine, en valeur absolue comme une forme de l'économie. Et le dia, il y a combien de loyers, il descend à 7. De 9, il passe à 7, il y a le 6. Combien de loyers pour. Parce que ça va être fini, même. C'est prochain. Est-ce que c'est 6? Est-ce que c'est 7? C'est dans l'optimisme, c'est dans le pessimisme. Car si vous ne pouvez pas influencer les décisions politiques, pas pour nous. Pas grave. Ils sont pas contre eux. Ils sont pas influencés. Pour gagner l'argent, donc, voilà un petit peu l'idée du séminaire. Et vous, mes organisateurs, le fait que j'ai commencé à lancer de ça, faire une capable de discussion, et prendre des choses qui partent. Pour vous, pour nous comprendre mieux, pour nous défendre des verres, pour nous faire politique, parce que nous ne parlons pas de politique, et vous n'avez pas de nous, et pour vous, je vais vous dire. Bon appétit. Et la bonne journée, bonne journée.